Hey, salut tout le monde, c'est Titou. Alors, je m'excuse d'avance si vous voyez mon clavier juste au fond, ça va être réglé d'ici quelques minutes. Mais aujourd'hui, alors je sais absolument pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Donc, avec Zenith Suprême reporté, je pense qu'elle va sortir avant justement les premières vidéos de Zenith Suprême. Mais aujourd'hui, alors pour patienter du coup cette sortie qui a été malheureusement reportée, on va ouvrir un gros coffret, mesdames et messieurs. Donc alors. Ça va être encore une ETB, donc un coffret dresseur d'élite, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du coffret dresseur d'élite Pokémon Go. Donc alors c'est un cadeau de Noël qui m'a été offert chaleureusement par DollyDream24. Donc c'est une viewer, pour ceux qui sont présents sur mes live Twitch, c'est une viewer qui est présente à chaque fois. Et du coup elle a décidé de m'offrir ce petit coffret en cadeau de Noël. Franchement, merci à toi. Merci vraiment à toi. Bon, par contre, le scellage, bon, c'est pas sa faute, mais je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Mais le scellage n'est pas nickel, nickel. Mais ouais, c'est quand même scellé et tout. Bon, au moins, je vais pas galérer pour ouvrir. Mais du coup, je te remercie chaleureusement, du coup. Et puis, on va ouvrir ça aujourd'hui. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis comme ça, parce que pour que vous puissiez voir un peu. Et du coup, c'est bien que ça soit un petit peu mal scellé. Du coup, je vais pouvoir ouvrir ben, un peu plus facilement. Donc du coup, pourquoi je dis que c'est gros coffret? Parce que Pokémon Go, il s'agit d'une série spéciale. Donc là, normalement, nous n'allons pas avoir 8 boosters, mais 10 boosters. Parce que dans les séries spéciales de ce genre, comme par exemple Pokémon Go, on a un total de 10 boosters. Donc du coup, je vais vous montrer. Il y a même d'autres trucs qu'on n'a pas. Donc du coup, je vais vous montrer le contenu de la boîte. Donc déjà, pour commencer, on a 1 milliard de codes pour ceux qui jouent à Pokémon Go. Voilà pour vous, faites-vous plaisir. Ensuite, nous avons un petit guide de jeu, donc qui montre toutes les cartes. Donc les cartes, je vais vous montrer, il m'en manque 2. Enfin, ou plutôt 3, parce que j'ai la Florizarre radieuse, mais elle est super mal centrée. Et du coup, il me manque 2 cartes, sans les secrètes, etc. à trouver. Il y a Mewtwo V-Star, ainsi que Dracolosse V, qui est juste là. Donc est-ce qu'on va pouvoir les avoir, ces deux cartes? Je l'espère. Et du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc du coup, si on ouvre ce petit coffret, donc nous avons déjà... Ah, ça c'est très très... Bien, nous avons une carte promo qui est complètement massacrée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regardez-moi là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez-moi cette carte promo. Mais non, ma carte promo. Non, ils abusent. Et clairement, ils abusent. On a le code qui est massacré aussi. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Nous avons un pack d'énergie que j'ai jamais ouvert de ma vie. Bon, pour ceux qui connaissent les ETB, ils savent. On a 4 séparateurs de deck à la Mewtwo. Ensuite, on a les trucs pour les jeux de cartes. Bon, en vrai, je vais pas vous montrer tout. Nous avons normalement, ouais, ça ce qui est bien, c'est les sleeves. Du coup, et le plus important, ils viennent de se casser la tronche. Mais ce sont les boosters. Donc, normalement, vu que c'est une série spéciale, nous avons non pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, mais bien 10 boosters, parce qu'il s'agit d'une série spéciale. Et du coup, voilà, 10 boosters supplémentaires, et j'espère qu'on va avoir de bonnes cartes. Et je vous jure, je sais absolument pas ce qu'ils ont foutu avec la carte promo, mais c'est pas grave, donc du coup, hop, nous allons commencer cette ouverture. Donc, est-ce qu'on va avoir des bonnes cartes? Donc, alors, les contours ici, on peut les regarder, parce que Pokémon Go, on a l'habitude, c'est que des contours noirs, donc du coup, voilà, on peut regarder, du coup. Sans spoil, parce qu'on a minimum une holo. Donc, du coup, ça c'est bien. Donc, nous avons un Flagados, Celerock, Herbizarre, Umbrillex, Bulbizarre, Onyx, Castorno, Conotor, Pikachu, ainsi que un petit noix de coco d'Alola V. Hey, la journée commence bien. Regardez-moi ça. Il commence bien. Bon, toi, malheureusement, je t'ai déjà. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien rechoper Florizarre Radieux, Mewtwo. Enfin, Mewtwo V-Star et Dracolosse V que je n'ai pas. Donc voilà. Hop, ça, c'est des déchets de booster. Donc on les met là-dedans. Ensuite, deuxième pack. Enfin, deuxième booster. Hop, le petit code pour vous. Donc en vrai, je sais pas pourquoi je vais vite. Mais bon. Hein. Parce que peut-être parce que Pokémon Go, on connaît. Peut-être, peut-être. Donc alors, nous avons une énergie feu. Nous avons un Solarock, Moduleur, Reptincell, Castorno, Meltal, Magikarp. Capuma, Salamèche, je crois qu'on n'a rien. Yes! Yes! Florizarre Radieux, en plus, elle est super bien centrée. Oh, la dinguerie, ainsi qu'un petit Lockless que je possède déjà. La dinguerie. Allez, il me manque plus que Mewtwo, V-Star et Dracolosse V, et j'ai le full set. Alors, petite pause, on va voir ce que ça donne avec une sleeve Pokémon Go et Destinée Radieuse. Est-ce qu'on voit mieux
dans les sleeves Pokémon Go ou pas? Parce que, en fait, pour ceux qui ne savent pas, en 2022, les sleeves qu'ils nous ont donnés étaient pourris, on voyait quasiment rien, tu vois. Donc je vais voir, est-ce que les sleeves Pokémon Go, tu vois bien ou pas? Et en vrai, ça va, en vrai, les sleeves Pokémon Go. Parce que ça fait un espèce de truc flou. Et fais voir les sleeves Destiny Radieuse, pour voir lesquelles sont meilleures. Parce que je sais pas pourquoi, mais elles sont un peu plus épaisses, les sleeves Destiny Radieuse. Et du coup, ouais, non, je trouve que Destiny Radieuse, ça va beaucoup mieux, tu vois. Bon, bah du coup, celle-là, ça va aller dans mon cartable. Mais pour l'instant, je la mets là. Donc ça, la petite sleeve Pokémon Go, en vrai, je vais la mettre, je sais pas, par là. Et du coup, allez, on y croit, les deux dernières cartes. On y croit, les deux dernières cartes. Peut-être qu'on va les avoir. Du coup, hop, le troisième booster. Parce que là, c'est bien, on en a 10 boosters. Donc nous avons, hop, une petite carte ici. 1, 2, 3, 4. Il y a quelque chose. On vient de voir. Celeroc, Air Bizarre, Pokéstop, Salamèche, Evoli, Natu, Capidextre, Umbrillex. Nous avons un Nelector ainsi que. Ah, c'est pas. Non, c'est un Melmetal. Malheureusement, un petit Melmetal V, mais c'est toujours mieux que rien. De toute façon, si c'est pas. Qu'est-ce que. Ah non, pardon. De toute façon, si c'est pas jaune, ouais, un peu jaune, c'est que c'est pas la bonne carte que je cherche. Si c'est pas blanc sur les bords ou jaune, c'est que c'est pas les deux cartes que je cherche. Hop, nous avons un petit code pour vous, si la caméra veut bien. Attendez, je vois que le focus se fait mal un peu. Ouais, non, c'est bon. Je crois qu'il y a quelque chose. Oh, je crois qu'il y a quelque chose, mais je suis pas sûr. Nous avons un Flagados, nous avons un Celeroc, un Air Bizarre, la caméra s'il te plaît fait les bons trucs. Poichigeon, Magikarp, Onyx, Evoli. Nous avons un Mimigal. Ensuite Colombo Reverse ainsi que un petit Tyranocif. Eh oui, je vous ai bien lu parce qu'il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Allez, prochain pack. Un prochain booster du coup à ouvrir. C'est bien parce que du coup là tu peux regarder les contours des codes. Par contre, est-ce que la question que je me pose, bon on le saura bien assez tôt, mais est-ce que sur Zenith Suprême ou le prochain bloc, donc Violet et Écarlate, est-ce qu'ils auront changé les trucs ou pas? Alors nous avons un Xatu, capitaine d'équipe Candela, oui c'est ça, Flagados, Magikarp, Capumain, Meltan, Carapuce, Colombo, Migalos ainsi que. Ah, c'est Melmetal VMAX. Eh, mais non! Viens, ramène pas ton père! Mais non! Et comment je fais, moi, si vous ramenez et que c'est pas les bonnes cartes? Eh, quand même! Comment? Non, pitié, pourquoi? Pourquoi Melmetal VMAX? Allez, s'il vous plaît, donnez-moi les deux dernières cartes qui me manquent. Je voudrais bien. Bon, après, il me reste 5 boosters. Donc, merde, je crois que je viens d'abîmer les cartes. Ah non, c'est que le code! Ah oui, mais ça, on s'en fout! Parce que je vous le montre et ça part à la poubelle après. Donc du coup voilà, on s'en fout un petit peu. Et du coup, hop, énergie. Donc allez, s'il vous plaît, donnez-moi les dernières cartes qui me manquent. Stelix, Xatu, Conotor, Salamèche, Meltan, Capumain, Bulbizarre. Nous avons un petit Ronflex ainsi que un Nymphali qu'au début je cherchais, que je n'avais pas, mais que maintenant j'ai malheureusement. Donc du coup, elle me sert plus à rien. C'est toujours pareil avec les cartes Pokémon de toute façon. Tu galères à trouver des cartes et justement, tu les trouves pas en fait. Très simple. Enfin, quand tu les trouves, après, tu les vois 500 fois quand on n'en a plus besoin. C'est ça le truc. Voilà. Par contre, ouais. 2, 3, 4. Nous avons une petite énergie Fire. Nous avons, oups, Capitaine d'équipe Spark. Migalos, Stelix, Bulbizarre, Castorno, Onyx, Mramoros, Conotor. Nous avons un Pokéstop ainsi que l'Euphorie que je possède déjà également. Donc du coup, là, pas de chance. Allez, s'il vous plaît, les trois derniers boosters, donnez-moi les cartes qui me manquent. Donnez-moi les cartes qui me manquent. Bon, après, j'ai eu Florizarre. Donc ça, c'est plutôt mieux que rien. Je crois pas. Je crois qu'il n'y a rien. Le Vénard, capitaine d'équipe, Migalos, Poichigeon, Rattata. Nous avons un Sofkipou, Carapuce,
Nous avons un petit pika-pika. Nous avons un métamorphe. Parce qu'il y a le petit signe juste en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais si la caméra veut bien se bouger à faire le focus, voilà. Un petit métamorphe ainsi que un Loclasse. Aïe 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 aïe. Donc alors, les métamorphes, je vais les garder en sleeve en vrai. Parce qu'en fait, je n'ai pas enlevé les plastiques. Je vais les garder en sleeve, du coup. Mais ça se voit hein, que la carte est un peu plus épaisse. Du coup, voilà, un petit métamorphe en plus. Donc, je vais te mettre là. S'il vous plaît, les deux derniers boosters, faites-moi que c'est le. Que les deux boosters là renferment les deux dernières cartes que je cherche. Bon, ça serait bien évidemment exceptionnel hein, si c'était ça. Et bon. 2, 3. Puis l'énergie, en vrai, on va la mettre là. Ouais, je tente un truc nouveau, tu vois, je mets l'énergie comme ça. Ouais, je sais pas ce que je fais. Infect, le Vénard, Carapuce, Mimigal, Sauf-qui-pue, Ambrilex, Chamallow, nous avons Sulfurin ainsi que. Aïe 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 aïe. Florizarre, donc il me manquera peut-être une carte. Ou les deux. Il me manquera peut-être une carte. Parce que peut-être que dans ce dernier booster. Dernier booster. Waouh, pourquoi il veut pas s'ouvrir? Il y a une carte, il y a une bonne carte dedans. Il veut pas s'ouvrir. Peut-être que dans ce dernier booster, je vais avoir une des deux cartes qui me manque. Ça serait bien. Ça serait très très bien. Donc le code pour vous. Si la caméra veut bien. Merci. Alors, 1, 2, 3. Ainsi que l'énergie juste là. Et puis, on peut commencer avec l'ouverture. Et je crois qu'il y a quelque chose. Reptincelle, Infect, Ambrilex, Capidextre, Ramolos. Nous avons Castorno, Mimigal. Je crois qu'on a la reverse juste là. Poichijon et. Féoxyjaune. Ah, c'est. Non! Pourquoi c'est encore toi qui viens? Mais non! On avait dit Dracolosse ou Mewtwo V-Star, pas toi! Aïe 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 aïe! Mais bon, mais bon, mais bon. On peut pas tout avoir dans la vie, n'est-ce pas? Mais quand même, hé, quand même, attendez, cette TB, elle était bien, regardez-moi ça. Genre, un booster sur deux, t'as eu un bon truc, regardez-moi ça. Genre, clairement. Hein, sur 10 boosters, t'en as 5 qui étaient rentables. Donc, clairement, est-ce qu'on peut dire que Pokémon Go, c'est le meilleur produit? Bah oui, hein. Clairement, clairement. Donc du coup, je pense que bah, les dernières cartes, je vais essayer de les acheter, je pense. Parce que bon, c'est un peu dommage de ne pas compléter le full set juste avec deux cartes qui me manquent. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine ouverture Pokémon. N'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.